Il y a un truc qui me saoule en Australie et qui ne devrait pourtant pas être le cas, mais ce sont les Français. Je suis Français. Avant de venir m'insulter dans les commentaires, les gars, je vous explique pourquoi. Là, ça fait quelques semaines que je vois sur les groupes en Australie des photos de jeunes Français en train de voler. Sérieux les gars, pourquoi? Pourquoi en fait? Enfin, faudra m'expliquer. De même, quand je suis arrivé en Australie, il y avait du bruit dans les résistances. C'était qui encore? Des Français. J'entends tout le monde, tout le temps avoir le même discours depuis des années, le French shopping. Mais en fait déjà, c'est quoi cette invention? Qui est-ce qui a inventé ça? Parce que j'entends ça, mais je n'ai jamais vu ça une seule fois en Australie. Je l'entends, mais à part là sur la photo là dernièrement, je ne l'ai jamais vu en Australie. En vérité, je pense plutôt que le problème est à la source. Déjà, le français en soi n'est pas compatriote, et ça je crois que tout le monde l'a compris depuis bien longtemps. Mais comment voulez-vous changer l'image de la France et des Français en vous comportant comme ça en fait? On se tire dessus, littéralement. On est constamment en train de se descendre les uns les autres. Que ce soit sur Facebook, sur Insta, sur TikTok, je vois tout le temps le même genre de commentaires. Les Australiens n'aiment pas les Français car ils sont voleurs, car ils sont arrogants. Quand on parle français, il a des regards noirs qui se posent sur moi. Les gars, posez-vous les bonnes questions. Je vous le dis et je vous le redis, je n'ai jamais entendu une seule fois un Australien balancer de telles conneries. Et franchement, bien au contraire. Bien au contraire. D'ailleurs, les seules fois où j'ai entendu ça, c'est par des Français eux-mêmes. Donc, bon voilà, je pense que il y a plus rien à ajouter sur ça. Mais en fait, vous êtes quel genre de personne pour avoir ce ressenti? Forcément, si vous gueulez comme des bêtes dans les magasins, dans les logements, bah, vous allez vous faire remarquer. Et non pas par votre langue, mais tout simplement par votre comportement en fait. C'est logique. Personnellement, moi, je suis ici avec ma femme et mon fils, et les seuls regards que je ressens, ils sont remplis de bienveillance et de curiosité. Et pourtant, on parle français entre nous. Non, sérieusement, soyons un peu plus solidaires entre nous, au moins à l'étranger. À défaut de ne pas l'être dans notre propre pays, vous avez des plans de job, partagez-les. Des logements, partagez. Des connaissances dans un domaine, pareil, partagez. Et donnons-nous de la force. Je sais pas, soyons fiers d'être français. Bordel, les gars, vous avez vu la solidarité qu'il y a entre les Chinois, entre les Indiens ici. Alors pourquoi pas nous? En plus, franchement, on n'est pas tant que ça ici. Alors, faut avoir une solidarité, les gars, je sais pas. Enfin bref, voilà, je tenais juste à faire une petite vidéo sur ce sujet qui me tenait vraiment à cœur. En tout cas, heureusement, parmi vous, il y en a qui déchirent, restez authentiques. Bon, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. Si t'as kiffé cette vidéo, bah tu peux liker, partager cette vidéo. Il fait chaud, hein. Même quand on s'énerve, il fait chaud un peu. Hein. Bref, tu peux partager, liker cette vidéo, commenter cette vidéo, t'abonner si ce n'est pas encore le cas. Si tu as été vexé, eh bien tu sais quoi, je m'en tape, tu peux disliker si ça te fait plaisir. Pour les autres, on se retrouve comme d'habitude pour d'autres vidéos. Ciao, ciao.